Et Dieu passe par le canal. J'aime lorsque Pierre, na Jean, babane ko mata na temple, na air ya prière. La Bible déclare que bakuti mutoza ki koka na la porte appelé la belle, abane ko mondier. Et cet homme tant wa moni Pierre alobia senga bango au monde parce que zaki na kati ya habitude na bango ya ko senga au monde. Alors, la Bible déclare une chose que Pierre a fixé regard lui et Jean. Pierre a tombé le mongongo pour na koloba. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. C'est-à-dire que Pierre était porteur de quelque chose. Pierre était porteur d'une présence. Que la foi commence d'abord à être une information qu'on reçoit pour na toyeba ko sala makambo esengeli. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, leur vie n'avance pas parce que matoi na bango ba pesi na moto esengeli ko pesa te. Parce que l'information que tu écoutes, yango nezali ko pesa ma kokia ko sala ba action. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, un père a kotinda mwana na yake ko somba eloko. Ko somba mwana eloko, eza juste réaction, il y a action où le papa est bisi à sala. Et tant que des hommes, Dieu nous a donné la capacité d'obéir. Et cette obéissance-là, nous devons le cadrer et le braquer que sur Dieu. Tant nous avons keli mutu, la première des choses que Dieu a fait, nous avons banaye ko prononcer ma loba. Par rapport à Moutou Oeba Kokela. Qu'est-ce que Dieu a dit? La première des choses, lorsque nous avons Keli Moutou, nous avons Pessi Moutou Abengi domination. La Bible déclare, Dieu dit dominer. Dominer. Oui, c'est-à-dire que étant que Ima, Tozali et Kela Mouyanzambe. Or, Dieu, comme étant le vrai architecte, il ne peut pas créer un homme pour que Moutou Eba Kou échoue. Dieu crée l'homme à son image afin que Moutou Eba Kou Zana Sixe na Yassi à Moukilio. Parce que Nzambe le col à Moukilia Moutou, à Pessi Moutou Makokia au Sanin, Yako dominé, Péako régné. Et la deuxième de chose, Nzamba Ebiko Pambola, la Bible qui, il a béni. C'est-à-dire que nous sommes porteurs de la bénédiction. Voilà, merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs. Nous sommes sur votre chaîne Équilibre Télévision, Jérémy Luemba, les renards du désert. En tout cas, je reçois pour vous le jeune prophète Samuel Luemba tout à l'heure. Tout bénéficier quand même de la prédication à l'Ebisolelo, ainsi dit l'Éternel à Ropé Sabisolelo. Alors, sans plus tarder, clin d'œil spécial à tous nos abonnés ainsi qu'à tous nos partenaires. Mimindou, mais depuis Mouching là-bas, en Allemagne, je pense aussi à Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi, Forza Italia, les célèbres Dion Zundu à Washington, ainsi que le président Pedro Moutou, leader à jeunesse, association main dans la main depuis la ville Fontaine, aussi partout à travers la République française. Nous sommes là, prophète Samuel Luemba. Bonsoir. Bonsoir, papa Jérémy Luemba. Voilà, le monde entier nous suit en tout cas, on est là, bateau ba yebioté, ba monio pour la première fois au Zanakin Kaka. Oui, na Zanakin précisément na commune à Kinshasa. Très bien. Debisika tozo sala musala nzambe na kati anda kwa tata na ngai. Très bien. Alors, to démarrer la prière. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour na ngonga oyo pesi biso. Bibezolo ba bisika mi balé mi sato basangani na kombo na yo ozana kati sonisika. Awa toye kolobela makambo politique te mais toye kolobela nde liloba na yo tikete mutu nyonso azolanda biso au travers ya malobo tchekati na ngai e ba ko édifier et consoler pe et instruire dans le nom de Jésus de bon assemblée na lobby. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Je crois que ozala message oyo préparé pour na ba na Nzambe. Nous sommes en train de traverser des périodes très compliquées et surtout que on se demande est-ce que lelo na atmosphère actuelle, est-ce que la délivrance, tout le miracle, ils arrivent à se produire dans l'église? Merci pour la question. En fait, pour répondre à la question, je vais d'abord commencer dans le livre Genèse pour un peu éclaircir Nzambe sur ma kamwetali délivrance et ma kamwebele oezali tout autour. Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, comme étant le créateur, a eu l'initiative de créer le sala oeza univers. Mais pendant qu'il était en train de créer, Dieu avait une pensée. La pensée de Dieu était de créer l'homme.
moto o akozala à l'image naye moto akozana ressemblance naye mais avant e bakoke la moto Dieu a d'abord commencé à créer l'environnement bisika moto sengeli azala très bien et pendant 5 jours Dieu a créé les arbres la faune la flore et lorsque tu commis 6e jour la Bible déclare que Dieu a créé l'homme mais ce que j'aime lorsque Dieu alina ki akela mokili abanda ko kela banzete nzamba lobela ki mabele que la terre produit lorsque nzamba linga ki akela o ezali banyama nzamba lobela ki mabele lorsque nzamba linga ki akela ba mbisi na kati ya mai nzamba lobela ki mai mais lorsque nzamba linga ki akela moto nzamba mi lobela ki yemoko la Bible déclare Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et ce que j'aime c'est quoi tant nzamba keli moto la première des choses que Dieu a fait nzamba bandai ko prononcer maloba par rapport ya moto o ebe ko kela qu'est-ce que Dieu a dit la première des choses lorsque nzamba keli moto nzamba pesi moto ba bengi domination la Bible déclare Dieu dit dominer c'est, oui c'est-à-dire que étant que ima tozali ekela mu ya nzambe or Dieu comme étant le vrai architecte il ne peut pas créer un homme pour que moto ba ko échouer Dieu crée l'homme à son image afin que moto ba kozana succès na kati ya se ya mokili oyo parce que nzambe lokola mokeli ya mutu apesi mutu makokia osani ya ko dominer pe ya ko régner et la deuxième de chose nzamba yebi ko pambola la Bible qui il a béni c'est-à-dire que nous sommes porteurs de la bénédiction. Or, lorsqu'on parle de la bénédiction ce n'est pas seulement le matériel, l'argent, mais la bénédiction c'est aussi toutes bonnes paroles qu'on prononce dans la vie de quelqu'un. C'est ça la bénédiction, c'est-à-dire que étant que des humains, nous sommes porteurs de la bénédiction. Et non seulement ça, Dieu a dit nous devons assujettir. C'est-à-dire que la façon d'engetozena sena mokil, oh Dieu nous a donné des potentialités. Alors ma seule question et mon seul problème aujourd'hui comment est-ce que biso oyo tozali na elilingi ya nzambe nous n'arrivons pas à dominer et à régner sur cette terre et pourtant le Dieu qui nous a créé a pesa biso makoki ya koyeba ko dominer et à ko régner quand tu remarques que dans ta vie il y a des choses qui oyeza ko dominer yo tu dois savoir que quelque chose ne marche pas parce que étant homme créé par Dieu, tu as la domination sur toutes choses. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour déclarer sur la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment. Peu importe la maladie, peu importe le problème, peu importe ma kambo ba circonstance ou ezali ko sala en sorte ko ba ko mena kati ya circonstance wana, tikete nzamba pe sa domination dans le nom de Jésus Amen. Parce que ce n'est pas la parole venant d'un homme de Dieu, mais c'est la parole ezaki prononcée par nzambe yemoko tango bane ko kela mutu. Voilà, merci beaucoup. L'homme est appelé à dominer. D'après la Bible, et ça c'est vrai, bien que beaucoup ignorent la réalité. Beaucoup échouent parce que bazo comprendre force mutaza na ngote. Alors, topé sur espace, topé sur champ, s'il faudrait peut-être partager un message na ba chrétien, na ba na nzambe ta biso à travers le monde entier. Oui. En parlant de ces choses, je m'aimerais toucher sur la délivrance, mais nakati ya volé moussous. Très bien. Lorsqu'on parle de la délivrance, en réalité, ce n'est pas seulement comme on a des mots comme nakati ya nzoto mutu. Oui. Comme beaucoup, mesani na système wana. Jésus-Christ le faisait, mais seulement j'ai une question. Jésus-Christ, papa Jérémie, a sali 3 ans avec des disciples. Azwaki Pierre, Azwaki Bangounio, surtout, Abanaye ko enseigné Bango. Mais lorsque vous lisez votre Bible, Bokotika la communauté et Sika Moko, Oyo Jésus-Christ, Assemblée la qui pour la Pierre, Pédémon et Baniko s'est manifesté dans notre Pierre. Mais Jésus-Christ a dit une chose, la parole que je vous annonce est esprit et vie. C'est-à-dire que seulement par la parole de Jésus, Pierre qui était possédé autrefois, a eu qu'on soit délivrance. Parce que aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu où Ezope Sabiso capacité yakoyeba kozalabato et sengeli. Maintenant, la Bible me dit quelque chose dans Osée. Chapitre 4, le verset 6. La Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, bazaka kana problème, il y a des démons qui ont possédé Bango.
mais ezal sous la forme moko ya possession tozo benga ignorance et ignorance yango nezo kota na kati ya ba vie ya bato afin que batu ba yeba ko jouir te na makambo nzambe asayela bango. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons les confusions. Aujourd'hui nous avons des familles o ezo yeba sous ko matate, nous avons des hommes de Dieu, nous avons de batu bazoya na kati église par habitude, mais la Bible déclare parce que tu manques de la connaissance je te rejeterai. Et comme tant surtout en ces temps de la fin, nous devons chercher la connaissance. Parce que c'est la connaissance nezala makoki ako kangola. C'est la connaissance nezala makoki ako libérer ba vie abatu eza emprisonné. Et une chose encore que j'aimerais dire en passant, il y a aussi beaucoup de personnes, problème na bango ezali kaka possession te demo za na kati na bango. Mais le problème aussi, c'est que bango moko ba milien na niveau ya ba pensée na bango. Oh, c'est là. Donc ma pensée née dans un moment ma canicier belé et dérangera plus Saint-Esprit. Le oui, et dérangera Saint-Esprit parce que nous sommes dans un monde d'information. Le chose l'homme, l'homme tel qu'il est là, azali motoyo asalaka agisaka selon information azozoa, il y a esprit. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève ba sumukaki, ba kené ko bata manasima nzete. Et lorsque Nzamba yeko lukabango, alobi Adam où es-tu? Lorsque Adam yoki mungongo Nzambe, alobi le Seigneur je me suis caché parce que je suis ni. Mais j'aime ce que Dieu dit. Nzamba lobi, qui t'a appris que tu es ni? C'est-à-dire Nzamba zoloba qui t'a informé? C'est-à-dire que l'information vient soit de Dieu soit du diable. Et c'est par l'information que biso tozozwa. Voilà pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que la foi commence d'abord à être une information qu'on reçoit pour natoye bako sala makambo et singeli. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, leur vie n'avance pas parce que matoye na bango ba pesi na moto et singeli kopé saté. Parce que l'information que tu écoutes, yango nezali kopé son makoki ako sala ba action. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, un père a continué à moi na naya que kosomba eloko. Kosomba moi na eloko, eza juste réaction, il y a action où le papa a ébissé à sala. Et tant que des hommes, Dieu nous a donné la capacité d'obéir. Et cette obéissance-là, nous devons le cadrer et le braquer que sur Dieu. Yangonde, tobengi kondima, pe ndenge wane tokota mona katia victoire. Alors, ça c'est très bien partagé, l'issue de la délivrance. Et quels sont ces dons particuliers au Nzamba Pessi, yo prophète Samuel Lwemba? Dans le ministère, vous allez exercer. Est-ce que bato malade babi karapé? Est-ce que bato bazo luka peut-être bana? Bato bazana ba complications via bana na bango ezab bloqué. Nzamba Pessi, on a anglais, on a payé prophète. Si vous priez bato babi qui dans la délivrance? Oui, pour répondre à la question. Déjà, en parlant de la délivrance, en parlant de miracles, en parlant de toutes ces choses, c'est Dieu qui l'opère. Et Dieu l'opère par un homme, au bâti canal, bisi kanzamba zoleka. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Si je devais répondre à cette question, je dirais que Dieu guérit des gens, Dieu délivre des familles, Dieu opère des miracles et Dieu se sert de nous pour nakosala nyonsoana au travers un ministère wati katinabiso. Ce n'est pas nous, ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi j'aime les apôtres. Une fois, Batubakoma qui kolukaba adoré bango par rapport à ba œuvre ou ba mané kosala. Et Pierre a déchiré qui manteau pour nakoloba. Pourquoi bozo adoré bisotoza batuloko labino? C'est Jésus-Christ qui est en train de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'église et Sengeli est braqué regard na bangote sur les hommes de Dieu seulement, mais Sengeli est à la Nzambe oazaka source yanyos. Parce que c'est lui qui donne la délivrance, c'est lui qui opère des miracles et c'est lui qui restaure des vies. Voilà, donc fixons nos regards vers notre Jésus-Christ, notre Dieu, c'est le plus important. Au l'air au tombola ba pasteur, ba apôtre, ba prophète, ba mati mingi, kolega même kombo Yesu. C'est ça. Donc lorsque vous regardez Jésus, c'est lui qui a quelque chose à vous donner. Et Dieu passe par le canal. J'aime lorsque Pierre na Jean babane ko matana temple na air ya prière, la Bible déclare que bakuti mutoza ki koka na la porte appelé la belle abane ko mondier. Et cet homme tant moni Pierre
alobia senga bango au monde parce que zaki nakati habitude na bango ya ko senga au monde. Alors la Bible déclare une chose que Pierre a fixé regard lui et Jean pe baebi Pierre a tomboli mungongo pona koloba je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai je te les donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est-à-dire que Pierre était porteur de quelque chose. Pierre était porteur d'une présence et cette présence n'est pas ça qui m'a coquille na mutuano azanga makolo ayeba kozwa susu makolo ayeba kutambola parce que le nom de Jésus nous le portons en nous et yango nezana makoki akokango la ba vie pe ako délivrer ba famille. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Alors, quels sont les programmes d'avenir par rapport à votre ministère? Est-ce que Bogosangana, Bozana, Action Borosala, mais qui peut expliquer Bato Bazana Poto, Borosé, journée bientôt à Kinshasa, Nabato Bazana à la capitale. Borosala Action, quand et puis Borosala Mabi. Merci pour la question. Déjà, j'en profite pour nous parler de la Bato Nyonso Bazo Landabiso. Nous avons un programme spécial. Oezali na date ya le 18 mai 2023 na jardin botanique de Kinshasa bato bayebi ville ya Kinshasa ezali c'est kaka na zandu marché zandu to zakanesika o ya kalier de prière o bato baya ko sambila thème biso tozo lobile eza second touché. On est en train de parler sur les second touchés. On a invité des hommes de Dieu. Nous serons là avec le prophète Fiston Abangano. C'est lui qui sera là. Nous avons aussi invité une servante de Dieu puissante, adoratrice. Nakombo ya Paola Temo. Elle sera là avec nous. Alors, yom tozo landabiso, ozana katia ville, to invité ou offert par nakatia programme. C'est un programme de restauration et aussi de délivrance. On zambe azoya pona ko kangola. Bamabota peko pesa ba orientation prophétique parce que il y a des gens bazana ba problème bazali peut-être na ba situation mo bazoko ka ko s'en sortir te alors nzambe atindi ba prophète naye afin que ba ko orienter biso na lolenge ya ba choix na biso. La Bible déclare confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. C'est-à-dire que bato bazo se confier na bato nzamba tindi nde bango bazo zo réussite na makambo bazo sala. Alors le programme est unique, le 18 mai tokutani biso nyonso tout. Le programme débute à 7h30 et 11h juste déjà ils aussi là. Examen matinal hein. Examen matinal tokozala wana ensemble dans la présence de Dieu, to passer ba bon moment dans la prière ainsi que dans les orientations prophétiques. Donc, un programme à ne pas oublier. C'est 18 mai, de 7h à 11h, dans le jardin botanique. Donc, venez nombreux, expérimentez la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Je crois que 18 mai est tombé, journée... Samedi. C'est un samedi. C'est un samedi, oui, c'est un samedi. C'est un samedi, donc le samedi 18 mai. Et je crois que nous serons là tous matinal. Ils allaient rendez-vous à restauration, à vie à Batou. Oui, à restauration, à délivrance. Tu ressembles là-bas. Oui, il y aura la prière. On est là que pour prier et pour des orientations prophétiques. Et l'on a basa et nzambe on nzambe à Pony pour la journée wana pour na ko pambo la biso. Batou basali bande à Congo, baota la biso, bakogi quand même ko prier pena bino à travers les réseaux sociaux. Personne au numéro téléphone WhatsApp ou Bagobengla. Oui, notre numéro c'est plus 243 82 87 68 389. C'est ça notre numéro plus 243 82 87 68 389. Soko bengi biso ko joindre biso pour na ba détail et j'aimerais aussi en profiter soki ozali inspiré par le Saint-Esprit olingi oye ba ko soutenir œuvre nzambe na ba bien na yo pour na activité ba ko sa mamalam. En tout cas nos numéros sont là tozali vraiment toza vraiment ouvert pour na ko recevoir ba don na bino pour na makambo ke malam pe nzambe mutu nyonso zo soutenir evre nzambe nzambe pati kaka ete. C'est de cette manière ceux qui pour lingi oza la partenaire o soutenir biso na musalo to sa la nzambe. En tout cas ba porte na biso eza pena ya ko fongama pour na ko recevoir bino bisika nyonso o bozali. Bible zo loba mutu oyo azali ko pesa un verre d'eau na musali ya nzambe o azo kende ko sana kati langa bible zo loba ke bazo zo même récompense. C'est-à-dire que na muto azo te ali loba na muto a soutenir na finance pour na activité wana ba ko salema na miso ya nzambe bango nyonso bazo zo récompense moko parce que biso nyonso to sana musala nzambe ezate motei aleki oyo azo yoka na munene. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu regarde le cœur et nzambe ne mokaye ba ko rémunérer mutu nyonso ayeba ko lukaye.
Alors, soutenons la nouvelle génération. Donc, le corps de Christ, bah, chrétien, bah, chrétienne, les hommes de prière, les femmes de prière, ils ont peut-être au Meki, de gauche à droite, et marcheté, au Tambo de Papanganga, au Koti, bah, secte, aux une solution, talaka maladie, talaka vie, bah, na yo, talaka libota, na yo, talaka moussala, na yo, talaka vie, na yo, talaka santé, na yo. Donc, il est temps tout le Kanzambe, mon clésé, bébé, bah, poison commis, bah, accident mortel chaque jour. Ma réalité, ma réclamation dans ma famille, ma lien est télémis. Je crois que ton multiplié encore une fois ma prière, ton tombe la vie à l'osambo et vous allez bien ma casse. La nouvelle génération est là. Bilingue, baosel nzambe, ba jeune serviteur, ba télémis, ba luka nzambe à solo. Nzambe à mélange, j'étais à ma kionate. C'est ça. Voilà, donc c'est par là que nous mettons un point final. Moi je dirais juste merci à Makanaki de Lucerne, Moté, ma maman Brigitte. C'est à Tichimbi depuis Suisse-Irlande. Narobo Sanate, Yalu Zombala de Madrid, Gérard Sadam de Manchester, Maître Siza Soukama, Puissance Ami Kili, vous êtes tellement nombreux et belé belé à travers les quatre coins du monde. Les célèbres Dien Zundu de Washington, grand frère propre, vous êtes belé. Merci beaucoup à Mimindou et na Mouching là-bas. Donc, tout ça, on a tout aussi ici. Peut-être s'il faudrait prier pour la Bandeko, dans le cas difficile, on a dans le lit d'hôpital. À Monio, ils ont occasion. Oui, j'ai une solution pour toi. Yom tozo la nangai na minute oyo bisika ozali. Peu importe hier aux hôtels la biso. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a la capacité de te guérir. C'est lui qui a la capacité de te sauver et c'est lui la solution que Nzambe atinde le biso na sina mokili oyo. Bibezo lobake ezana sali na kombo mosusu te soki kombo ya Yesu te. Voilà pourquoi je prie pour toi. Yo mutoza na ba problème, tu as des complications na maternité, je ne sais pas moi quoi, maladie, que Nzambe ba kopé sa guérison dans le nom de Jésus, que Dieu restaure ta famille. Soki bisika ozali ozoko ko s'en sortir te. Sur le plan financier, je prie que le Seigneur ait ba ko simba bo moinayo afin que miracle ba ko salema dans le nom de Jésus. Je prie que Nzambe aye bako sala o bolamu pe Nzambe bako elever vina yo soki o tamboli bisiko zui solution te Nzambe obiso to sambela lui il a la solution na ba problème nyonso peu importe le cas, peu importe la maladie, peu importe le problème, je te présente Jésus. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui, nous avons aussi un programme de notre frère Papa Josué Mbo, autrement appelé Papa Emmanuel, azo sala grande célébration. Donc célébration wana ezo sala mana imka date nango ezali le 26 mai 2024. Donc tozala biso nyoso wana, il y a des invités ba femme Tamar ba kozala. Ozali na kati ya ville ya Kinshasa, rendez-vous ezali na imka wana tozali wana avec Papa Emmanuel, l'adorateur de l'Éternel, oyo nanzela na yenzamba zo pambola mabota na musique oyo abimisaki chanson na kombo Emmanuel oyo zo pambola ba famille. Tokuta na wana nyonso tout na rendez-vous unique. Merci beaucoup. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesi bilombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté toza nango. Na banda ki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté eza mingi, difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté ya fouté la bana Minerval pour to chute au bandaki. To pesa ki avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande ko langa nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour cela que nous avons lancé appel na bananyo swanzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kula tapé kulia na bango. Nous aussi nga batunyo so baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université. Kimbangiste a venu comme on angoisa marin numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Mbote bandie kozanga maman mika mosungi ya population nya elibino promotion ya réduction ya 30% na ba produit na biso nyonso tout naturel pe cosmétique ya traitement naturel pe cosmétique pour na problème ya santé. Nous avons des problèmes hémorroïdes, stérilité, tension, diabète, nerfs sciatiques, estomac, myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, mboudi mboudi, bandekoboya, ba solution ezali. Bakisi ezali ebele, eza très efficace. Tobuki ba prix. Tobuki ba prix. Na 30%. Côté cosmétique, nous avons des produits tels que Thémétis, nous avons Thémétis. Tous en la crème de beauté mica ma foute à copacola tous en la savon savon la biso gommant ou ils ont traité ils ont contre batache bacné ba bouton peu ba vergeture tous allez na savon noir na biso ou ils ont traité ils ont à l'aise na douche ils ont protégé contre moi ils ont très efficace. Tous allez na crème de visage na biso ils ont embellir et long ils ont rendre le lisse très propre très agréable. Tozali na huile d'ananas, solution ngoyo pour na ba peau sèche nyo surtout, solution ezali. Tozali na lotion tonique pour na ba ta tampon, tozali na lotion tonique pour na ba o bazan na tampon té mais peau ezali abîmé. Tozali na gommage fait à base de café, ezo rendre longi propre, ezo longola ba bouton, nyo surtout ezo kéné na ba graisse. Tozali na pommade à souki pe huile ya souki, ezali très efficace. On a problème libandi. Souki kola ka bien té, ba produit yango est très naturel et zo bongi sa ba très naturel kama ndenge mama lobi na pomade anti sola mapeka ndeko yo zali na problème solo o dégage ka o transpira ka mingi solution yango eye pomade anti sola mapeka bobo sanate toza na promotion réduction à 30% na ba produit na biso nyonso côté wana to buki na biso côté yo toza ba kiss na biso pe ya poussière ya bokoko. Ndeko siko zali za musika ba produit ma ezo yate ba kisa poussière yangoyo okomela na ka ya maladi nyonso tu o mama mikatanga ki awa okozwa solution na yo. Benga biso na plus 243 89 98 27 674. Adresse na biso toza na commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pose numéro A17. Pona stérilité, bande konanga basi ozo koka ko concevoir te. Solution yango yo eye. Papa ozo koka ko pesa zemite. Bakisi yango eye eza très efficace. Boya ebele, boya ebele boko zala desite. To buki ba pri, ngai 7e naza awa. Ngai 7e baga naza awa. Bye.